Bonjour Jean. Hey, j'ai entendu que tu as sorti un nouvel album. Est-ce que je peux te poser des questions, tout ça? Bien sûr, avec plaisir. Quel est le répertoire de ton nouvel album? Alors, le répertoire de cet album, c'est le concerto de Neruda, en mi bémol majeur. Ensuite, nous avons enregistré un concerto de Christian Goingenet, qui est un compositeur français. Qui est toujours vivant, c'est un compositeur contemporain, mais qui a écrit en 1992 un concerto dans le style de Mozart. Et donc c'était pour moi intéressant d'enregistrer une pièce qui n'a jamais été enregistrée, donc pour la première fois, et qui soit dans un style proche de celui de Mozart. Donc la première pièce c'est le concerto de Neruda, la seconde pièce c'est le concerto de Christian Goingenet en do majeur. Ensuite, nous avons enregistré le concerto en mi bémol majeur de Joseph Haydn. Et la dernière pièce, c'est le concerto en mi majeur de Johann Nepomuk Hummel. Pourquoi tu as choisi cet répertoire, cet album? Alors, disons que c'était mon premier enregistrement pour le label Indécence. Et nous avons choisi d'enregistrer le répertoire classique de la trompette. Donc avec les concertos qui sont bien connus, Haydn, Hummel. Et donc évidemment, ça ne suffisait pas pour le disque. Donc on a ajouté ce concerto de Neruda. Et il restait du temps. Et donc c'était vraiment heureux de faire ce concerto de Christian Goingenet. Et donc le répertoire, c'est choisi, on va dire, de lui-même pour un premier disque consacré à la musique classique. J'ai eu la chance d'être invité pour cette saison comme artiste associé avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, qui est un orchestre en Alsace, et un orchestre dont j'ai fait partie au début de ma carrière. Et donc j'ai gardé de nombreux amis dans l'orchestre, et j'étais vraiment très heureux de faire cette année en leur compagnie. Et avec leur directeur musical, Jacques Lacombe, nous avons évoqué le projet de pouvoir enregistrer un répertoire que nous jouerions en concert le long de la saison. Ce premier enregistrement a été fait au mois de septembre, juste après les grandes vacances, dans une période assez courte, c'est-à-dire que nous avons enregistré deux albums et répété tout le répertoire en 6 jours. Donc voilà, ça a été très rapide. Quand je suis arrivé, on a répété les 8 concertos. Ensuite, le lendemain, on a enregistré sur 4 séances les 4 concertos classiques. Et ensuite, je suis revenu pour enregistrer sur 5 séances 4 concertos modernes. Donc ça a été très rapide et l'orchestre était très préparé, très professionnel. Avec leur directeur musical Jacques Lacombe, ça s'est très bien passé. On avait un ingénieur du son formidable, Frédéric Briand, et j'ai eu la chance d'avoir pour le disque classique Pascal Bouton qui a fait la direction artistique. Et donc toute l'équipe était réunie pour qu'on puisse faire du bon travail et je pense un beau disque dans un temps vraiment très limité. J'ai envie d'écouter tout de suite. Ah ben voilà. Alors j'ai entendu que encore un nouvel album qui va sortir dans 2 mois. Oui, c'est-à-dire que comme je te l'ai dit, la période a été propice à pouvoir en faire 2 albums consécutifs. Donc en très peu de temps, on a réussi à enregistrer 2 disques. Donc ce premier disque qui vient de sortir donc pour le répertoire classique, et ensuite nous avons un album qui est en préparation, presque terminé, avec un répertoire un peu plus moderne, Proclamation d'Ernest Bloch, le concerto d'Aroutounian, une pièce qui n'est pas très connue en France, qui est le concerto opus 43 de Jacques Étu, qui est un compositeur québécois. Et ensuite, nous avons une pièce aussi qui est fantastique, qui est le concerto pour trompette de John Estacio, qui est un compositeur canadien. Et donc c'est une pièce qui est assez conséquente, qui dure 25 minutes et qui est vraiment une pièce incroyable avec des couleurs d'orchestre fantastiques. Et donc on a eu cette possibilité d'enregistrer un disque moderne à la suite de ce disque classique, et donc ce disque moderne sortira avant l'été en tout cas. Avant l'été.
pas eu beaucoup le temps à ce qu'il se passe des choses rigolotes. Mais non, j'ai pas d'anecdotes particulières. On a passé des bons moments avec les musiciens, avec Jacques Lacombe, avec toute la technique. Ça a été vraiment un moment privilégié pour moi, et en plus, vu les conditions de cette saison, les conditions sanitaires, on a réussi quand même à faire ces enregistrements. Et ça, c'était vraiment de la chance de pouvoir jouer avec un orchestre, enregistrer, et que tout se soit bien passé sans problème. Ouais. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce projet-là. Pendant l'enregistrement, tu as utilisé quelle trompette ? Alors, pour le disque classique, j'ai enregistré les concertos de Neruda, Guinguené et Haydn sur une trompette Mi bémol Schilke. Mi bémol Schilke. Le modèle E3L. Et l'embouchure de Toshiki Kameyama. et pour le concerto de Hummel, j'ai utilisé le modèle G1L, qui est une trompette conçue en sol au départ, et chez Schilke, qui est vendue avec une possibilité de la mettre en mi bécard. Donc, comme le concerto est en mi majeur, j'ai joué une trompette en mi bécard de chez Schilke, et l'embouchure de Toshiki Kameyama. Voilà. Et pour l'enregistrement moderne, j'ai joué mes modèles chez Schilke, la série Soloist, donc en ut, la série SB4MG, et le concerto d'Arutunian avec la trompette en si bémol, SB4MG. Voilà. SC4 pour la trompette en ut, SB4 pour la trompette en si bémol. Et toujours Schilke. Et toujours Toshiki Kameyama. Voilà. J'ai eu deux messages à Marc, Toshiki Kameyama et Global, il te passait bonjour. Ah ben c'est gentil. はい、というわけで今回の動画はいつもこのチャンネルでハッと目覚めてしまうようなありがたいお話を聞かせてくださっているマーク・ギュージョン氏が CD を出したと本人からプレゼントしてもらったので聞いてみたところ、もう素晴らしすぎるアルバムとなっていたので、ぜひもっとたくさんの音楽家に知ってほしい、聞いてほしいとこの動画を作りました。収録されている内容もフンメルをはじめネルーダやハイドンまで、トランペット奏者としては避けては通れないレパートリーから世界初収録のクリスチャン・グアンギョネのトランペットコンチェルトなど惜しげもなく1枚の CD に収録してありますし、演奏も今流れてるとは思うんですけど、一音一音のタッチが素晴らしい。タッチが繊細とかよく言いますけど、繊細とかそういうんでもないんですよね、限りなく洗練されたタッチというか、もうこれはどんなものなのか言葉では表現できないので、ぜひ聞いて感じていただけたらと思います。感動の喋りが邪魔だよ、演奏聞かせろよってご興味のある方は、一応今のところ Amazon から楽曲を購入できるようなのと、現物が欲しい方はアンデソンスのサイトを確認していただけたらと思います。ここで買えるよってもしご存知の方がいましたら、ぜひコメント欄にどうやって買ったか書いてってもらえるとありがたいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。